Et les amis, aujourd'hui, Tour d'Alsace. Voilà. On va fêter ça avec folie. Allez, venez, suivez-moi. Pour faire tourner la roue, il faut qu'elle tourne trois fois sur elle-même. C'est-à-dire que tu fais le passage, pareil, tu vas gagner. Hein. Et il faudra que la roue s'arrête sur une case gagnée. C'est-à-dire gagnée. Je vous donne quelques chiffres quand même. Il y a 150 coureurs au départ, 25 équipes de 6 coureurs. 5 coureurs ont abandonné. Un a chuté, un autre s'est perdu dans le brouillard à la planche de Belleville, on l'a toujours pas retrouvé. Enfin bref, il y en a 5 qui ont abandonné. Il en reste 145, c'est-à-dire 25 équipes de 6, dont 5 équipes de 5 coureurs. Ok ? On vous les présentera tout à l'heure. Voilà, j'ai fini de chatter. J'attends, on m'a dit 15h, je vais être discipliné, mais surtout discipliné, ça c'est une autre affaire. Et voilà, je vais demander à Jeanne de faire tourner la roue, trois fois sur elle-même, vas-y ma chérie. Allez. Fort, hein. Ah bah ouais, bah, tu pouvais appuyer sur une petite tige, là c'est bon, elle a tourné trois fois, c'est écrit à l'arrière. Et ça s'arrête sur quoi, Jeanne? Pas sur une carte, j'espère, hein. Là-bas. Gagné en blanc, elle a gagné un cadeau. Et voilà, tu vois, il suffisait de faire tourner la roue pour gagner un cadeau. Je vais te donner le cadeau. Alors, il est extraordinaire. Alors, quand je disais tout à l'heure que Maxi Flash, c'est le canard préféré des Alsaciens, vous êtes Alsacien, les Cerniers, oui? Oui, vous êtes Alsacien. Ok, vous avez vu, il est là, le canard. Eh bien, je l'ai en petit. Pour toi, Jeanne. C'est pas un sextoy, mesdames, hein. C'est un canard pour Jeanne. Merci Jeanne d'avoir joué avec nous. Bonjour mademoiselle. C'est vrai qu'on les voit, les bas blancs là, ce sont les bas du Crédit Mutuel. Merci à eux, ils sont partenaires de cette 20e édition, tout comme le Resort Barrière de Ribeauvillé, d'où est partie l'étape de ce matin d'ailleurs. Et puis nous avons également nos amis de la presse, voilà, qu'on peut saluer.
Reste toi Alsace, ils vont recevoir. Bon, alors voilà, c'est l'équipe vainqueur du Tour Alsace Finale 2023 et je vous demande un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. C'est mérité. Je vous rapproche un petit peu pour la photo. Voilà. Félicitations à vous, le directeur sportif. Vous avancez un petit peu encore. Voilà, c'est pour la photo. Merci. Merci beaucoup, merci et à bientôt. Merci. Voilà, alors maintenant, on va essayer de rassembler tous les leaders des carrés en présence de personnalités pour les remercier justement de leur présence. En invitant évidemment Sébastien Berwick à nous rejoindre à nouveau, le vainqueur du classement général avec son maillot carré jaune, le carré vert de Colby Simons et de Goldstein, maillot carré rouge et également maillot arlequin, le meilleur jeune Mathis Rondel qui est également meilleur français, Alex Egart, donc maillot du kilomètre 70, on va retrouver tout ce beau monde à l'avant du podium. Sébastien Berwick qui je crois était à l'interview, j'espère qu'il pourra être avec nous. Vous voyez, lui vient de Francis Larger, il est à côté de nous. Non, 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 c'est fini, c'est fini. Francis Larger. Alors, cette photo finale ne pouvait pas avoir lieu sans les coureurs. Sans les élus, mais surtout avec le patron du Tour Alsace. Francis, à toi la parole, s'il te plaît. Ah oui, 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 c'est toi qui vas fermer le débat de cette grande course. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous voulez qu'on revienne l'année prochaine? Je dis quoi, je remercie papa, maman, je remercie tout le monde. Non, c'est vrai qu'on a vécu un Tour Alsace absolument extraordinaire, mais on dit avec Jean-Pierre tous les ans la même chose. Mais c'était mieux que l'année dernière. Mais c'est vrai, cette année, c'est encore totalement différent parce que BFM nous a apporté un grand plus. Le fait de passer à la télé, je voyais les spectateurs au bord de la route. Je me suis arrêté pendant un moment et la dame qui était sur le bord de la route, que je connaissais pas, vous voyez, ils sont là-bas, vous allez être en retard. Hein, donc elle montait sur son portable, l'endroit était la tête de course. Donc c'est vrai que BFM, avec ses vieux hélicoptères, nous ont permis de voir que l'Alsace est belle. On n'en a jamais douté, ça a apporté un grand plus à notre course. L'année prochaine, je pense qu'on pourra encore monter d'un cran. On va peut-être un peu s'éloigner un peu plus parce que l'année prochaine, vous avez certainement, hier on a emmené avec nous un maire de 25 qui souhaite absolument recevoir le Tour Alsace chez lui. Le maire de Valentinier disait venez chez nous, ça nous plaît. On a un peu de mal, nous, à trouver des villes qui nous accueillent. Je remercie M. Sordi de nous avoir accepté cette année. Les villes alsaciennes ont beaucoup de mal à accepter le Tour Alsace. Mais par contre, à l'extérieur, que ce soit la France de Belfie, que ce soit les étrangers, ma vie durée, comme je suis le président du département, je veux que tu ailles à la planche. À Célestin, Marseille, en même temps, je suis un peu élu, deux mandats, je veux que tu ailles à Célestin. Mais sinon, on a beaucoup de mal à jouer d'autres villes. Donc, on s'est fait expliquer à l'Alsace. Par contre, c'est vrai, ça a toujours été, d'ailleurs c'est le cinquième anniversaire. Il y a peut-être des anciens parmi vous qui se rappellent qu'on a fait exactement la même étape il y a 5 ans. On vous a quitté pendant 5 ans, on revient et vous êtes reproduits depuis parce que vous êtes beaucoup plus nombreux hein, qu'il y a 5 ans. Donc voilà, moi je vous remercie M. le maire, évidemment M. le député de sa présence, M. le sénateur qui est devenu fidèle du Et si ensemble on avait fait que l'Alsace est vraiment une belle ville pour l'Alsace, on serait pratiquement au niveau du Tour de France. Parce que je vous assure, on n'a pas à leur envier grand chose. Si vous regardez.